Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. J'espère que vous allez bien, chers frères et sœurs. Comme promis, ce soir, je vous reviens avec ce secret-là. Donc, comme promis, je vous reviens avec ce secret que vous allez utiliser pour avoir 500 000 francs CFA en une journée. Vous le faites le matin, très tôt, 6h, 7h, tout au plus 8h. Et Inch'Allah, d'ici 18h, vous aurez, Inch'Allah, des nouvelles. Alors, nous allons travailler avec des œufs et le signe de la géomancie qui est devant vous, qu'on appelle Massa Suleiman. Vous allez chercher au moins 3 à 4 œufs. Si vous êtes un homme, c'est mieux de faire 3 œufs. Et si vous êtes une femme, vous faites 4 œufs. Vous allez tracer la figure là que vous voyez là. Six fois sur chaque œuf. Si vous êtes une femme, 4 œufs, 6 fois sur 6 fois la figure sur chaque œuf. Si vous êtes un homme, 3 œufs, 6 fois la figure sur chaque œuf. Vous allez chercher une marmite. N'importe quel genre de marmite, mais c'est souvent mieux de le faire dans les marmites en terre cuite. Vous mettez les œufs dedans, sans mettre l'eau, juste les œufs. Vous fermez bien, vous déposez sur le feu. Ça va exploser jusqu'à calciner pour devenir vraiment de la poudre noire. Et vous allez récupérer ça maintenant. Allez chercher une rousse qui est très très fréquentée. Vous versez ça là-bas, Inch'Allah. Alors, dès que cela est fait, c'est fini. Vous continuez votre journée. D'ici 18h, Inch'Allah, vous aurez des nouvelles de 500 000 francs. Que Dieu continue toujours de faciliter. Soyez tous bénis. Alors, comme je le dis toujours, restez toujours dans la crainte et dans la grâce d'Allah. Continuez à prier et à jeûner. Continuez à demander pardon et à rester sur le droit chemin. Car quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, qui qu'on soit, on finit toujours sous la terre. Tout être humain a une fin. La vie de tout être humain a une fin. Que tu veuilles ou non, ça va finir par finir. Alors tout ce qu'on fait de bien ici, nous sera rétribué au jour de la rétribution. Et tout ce que nous faisons de mal, ça aussi nous allons le payer. On n'est pas des êtres immortels et notre destin ne dépend pas de nous-mêmes. Voilà pourquoi nous devons continuer à faire du bien, à rester dans la grâce de Dieu, à rester dans la crainte de Dieu. Soyez toujours bénis. Et quel que soit le problème que vous aurez, Inch'Allah, vous pouvez nous contacter où que vous soyez dans le monde. Et tous les articles, comme je l'ai dit, jusqu'au mois de septembre sont à moitié prix, c'est une promotion. Assalamu alaikum.